Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera la Lubibox, qui sera la vidéo Lubibox de février, donc la Lubibox Saint-Valentin. La Saint-Valentin est passée, mais comme je disais à mon disbule, personnellement je m'en fous totalement parce que la Saint-Valentin pour moi c'est tous les jours. Donc voilà, j'ai reçu ça ce matin dans ma boîte aux lettres et j'ai hâte de voir ce qu'elle contient. Alors, il n'y a pas de menu parce que Mandisbulle m'a dit qu'elle l'avait oublié et c'est pas grave, je vais piocher et puis on verra ça ensemble. Donc elle m'a mis ça dans un petit sac comme ceci qui est trop choupinou. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, je vais enlever les petits machins là. Ouh, il y a plein de choses là-dedans. Alors, le premier produit que je retire, ouh c'est cool, c'est celui-ci. Alors c'est le fameux bain douche au lilas bleu de chez Sephora. Voilà, je suis hyper contente parce que je voulais ce gel douche au lilas bleu. Et voilà, donc très très sympa. Tu pouvais pas faire mieux ma biche. Alors, si les ciseaux sont là, hop. Alors. Donc j'espère en tout cas que... ma Lubibox Saint-Valentin t'a plu. Pour celles qui cherchent un petit peu la Lubibox, parce que je suis tellement impatiente d'ouvrir que je vous parle pas plus, on a fait la première Lubibox au mois de janvier, et la Lubibox en fait c'est une box qu'on se fait avec Mandisbulle, tout simplement parce qu'on avait envie de se faire plaisir, et voilà. Un peu comme on a fait la LC Box avec Sissi Vivi et comme je fais la petite box avec Sand Dynamite. Donc voilà, ça se présente comme ceci, et j'ai vu qu'il y avait... c'est mignon. Il y a des petits stickers comme ça qu'on peut repositionner, enfin mettre comme on veut sur le petit cœur de la bouteille. Donc je trouve ça sympa. Après moi les petits cœurs je pense que je m'en servirais pour autre chose, mais je trouve ça assez joli. Donc voilà, la bouteille est vraiment très jolie. Je veux sentir. Alors de toute façon mon vernis est flingué, donc c'est pas grave si je l'écaille encore plus. Hop, toi on va te mettre là. Alors, qu'est-ce que ça sent? Je suis une fana d'odeur de lilas, donc je suis impatiente de voir ce que ça sent. Ah, je m'en fous sur le nez. Ça a l'air de sentir hyper bon, donc je verrai ça, je testerai et je vous en dirai des nouvelles, mais je crois que celui-ci va aller dans la douche très rapidement. Voilà, bah écoute, premier produit, je suis hyper contente de ce petit produit parce que j'en voulais, donc c'est génial. Ensuite, deuxième produit que je pioche, c'est un rouge à lèvres de la marque Kiko, et c'est un Smart Lipstick et c'est le 910, et je crois que je ne l'ai pas celui-ci. Oh, il est beau. C'est une très très jolie couleur, c'est un rose tendre. Ah, il est beau. En plus, c'est les couleurs que j'aime mettre en ce moment, donc voilà. Un très très joli rose bébé comme ça, il est vraiment très très beau. Ça fait un peu fleur de cerisier, je trouve. Voilà, il est très sympa, et puis les rouges à lèvres Kiko, les Smart Lipstick, je les aime bien. Donc il n'y a aucun souci, je te remercie beaucoup, et c'est bien dans le thème des petites lèvres roses pour la Saint-Valentin. Ensuite, je tire ceci. Alors, qu'est-ce que c'est donc que ça? C'est un lait-corps extra nourrissant à l'huile de mangue pour... je connais pas sous ce format-là les lait-corps de chez Cottage, donc pour les peaux sèches et très sèches. Donc c'est un lait, c'est pas un gel douche. Hein. Alors. Ah, ça sent bon la mangue. C'est discret, mais ça sent bon la mangue. Très sympa, donc c'est celui-ci. Donc très sympa, un lait pour le corps, pour avoir une jolie odeur sur le corps pour la Saint-Valentin ou les moments d'amoureux. Je dis oui. Ensuite, je retire ceci. Ouh, c'est cool! Oh, tu fais mouche, ma chérie. Alors, c'est le mascara Outrageous Curl, le dernier sorti de chez Sephora. Et là, je suis hyper contente parce que je le voulais également dans... Il était dans une offre avec un magazine et c'était pas chez moi. Comme beaucoup de choses, d'ailleurs. Donc, j'étais un peu dégoûtée de ne pas l'avoir eu. Et là, je suis super contente parce que le voilà. Donc, il se présente comme ceci. Et je regarde tout de suite la brosse. Ouf! La brosse, c'est un ovni, la brosse, quoi. Ah oui, c'est un ovni. Je me demande comment on peut mettre du mascara avec ça. Regardez-moi ça, cette brosse. Je sais pas si ça fait bien le focus.
Elle est kiki. Elle est toute petite. Il y a des tout petits picots, tout petits, tout petits. Alors là, je suis pressée de le tester celui-ci parce que je me demande ce qu'il va donner, franchement. Donc voilà, très sympa, très très contente de ça aussi. Ensuite, ça, je veux ça là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, je crois que c'est des chocolats. Oh, c'est joli, c'est mignon tout plein. Alors, c'est de la marque Denneville Chocolat Français. Donc, je connais la marque Denneville. Oh, c'est mignon! Et il y a plein de petits chocolats dedans. Donc, ça sent bon le chocolat. Oh, c'est trop choupinou, merci. C'est très sympa. La petite boîte est très jolie en plus. Donc, même à réutiliser la petite boîte posée sur un bureau et tout, c'est tout sympa. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour les petits chocolats. On mangera ça avec mon mari le soir. Pas de soucis. Ensuite, j'ai encore une grosse, grosse boîte. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est de la marque The Body Shop. Ça se présente comme ceci. Qu'est-ce que c'est marqué? Alors, il y a plein de trucs écrits, mais c'est pas en français. À première vue, c'est baume pour les lèvres, doux baiser. Alors, j'ouvre, on va regarder. Ah, d'accord, oh, c'est sympa. Alors, ce sont trois baumes, trois petits baumes pour les lèvres. Alors, j'utilise pas beaucoup ce style de petit baume comme ça parce que je trouve ça un peu chiant de mettre ses doigts dedans. Mais ça m'arrive d'en utiliser, donc voilà. Donc, le premier est à la framboise, le deuxième est au passion berry et le troisième est à la fraise. Voilà, en tout cas, la petite boîte est très jolie. Donc, de toute façon, j'utiliserai la boîte et puis les petits gloss que je les utiliserai en allant. Très, très sympa. Et pour finir. J'ai plein de petits bon voilà j'en ai mis partout plein de petits cœurs roses comme ça pour mettre dans le bain pour la Saint pour voilà donc c'est très Saint-Valentin très sympa mais écoute Mandise je suis hyper contente de ce que tu m'as envoyé le plus gros coup de cœur je pense que ça ira pour ça parce que je voulais le tester vraiment et je suis hyper contente. Le truc qui me plairait peut-être le moins, c'est peut-être le lait pour le corps. Parce qu'il sent bon, mais il n'a pas une odeur extraordinaire. Donc voilà. Mais sinon, franchement, je suis inan. Ce qui me plairait le moins, peut-être, c'est les baumes à lèvres. Voilà. Parce que c'est pas enfin, des. Je préfère en stick, mais je les utiliserai, il n'y a aucun souci. Bah écoute, voilà. Donc en tout cas, je suis méga contente de ce que j'ai reçu. Cette Lubi Box spéciale Saint-Valentin est encore une fois une réussite. Je te remercie énormément. J'espère que cette box vous a plu. Et dites-moi, tiens, par hasard, comme ça, dites-moi ce que vous vous auriez mis dans une box Saint-Valentin. Voilà. Bah, écoutez les filles, je vous fais d'énormes bisous et les garçons, parce que je sais que vous me suivez maintenant. Donc je vais écouter tout le monde. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Salut, salut!